Bonjour les amis, la saison de papillons va arriver bientôt. Alors, quand les fleurs sortent, on voit parfois des papillons, oui. Alors, le papillon, Anna Milbon et Kathy Chimène. Vous êtes prêts? Au bout du jardin, se tortille une petite chenille rayée. Voyez la chenille? Sais-tu ce qu'elle a fait toute la journée? Allons voir. Où est-ce qu'on voit? Ah, elle est là, la chenille. D'abord, elle a mangé la feuille sur laquelle elle se trouvait. Et quand elle l'a toute rongée, elle s'est mise à en grignoter une autre. Et la fin, la chenille. Hein? Il y a des tas d'autres chenilles affamées. Une toute petite verte, une jaune bien rondelette, une blanche douce et ébouriffée, et une bien grosse et velue. Et toutes ces chenilles mastiquent le plus vite possible. Vous voyez, petite jaune ici? Oh, on ne voit pas trop, hein? C'est camouflé, hein? Camouflage. Ah, celui-là, on le voit et on voit le gros. C'est bon, on continue. La petite chenille rayée a beaucoup grandi, mais elle continue à grignoter. Crunch, crunch, crunch. Bientôt, sa peau devient trop étroite. Ouh, ça serre là, oui. Alors, elle s'en débarrasse comme un vieux manteau. Puis, elle grignote un peu. Un jour, la chenille arrête de manger. Peut-être est-elle rassasiée. Petit à petit, sa peau se transforme en une coque brillante. Elle reste suspendue tranquillement sans bouger pendant très longtemps. Tout à coup, elle commence à s'agiter. Elle gigote, gigote encore jusqu'à ce que la coque s'ouvre. Puis un insecte en sort tout doucement. La chenille rayée est devenue un superbe papillon. Il étire ses ailes multicolores au soleil. Puis il s'envole dans le ciel bleu. Toutes sortes de jolis papillons voltigent dans le jardin. Un délicat papillon blanc, deux tachetés de bleu et un autre avec des ronds sur les ailes. Le papillon vole de fleur en fleur et aspire le nectar sucré. La nuit, il replie ses ailes fragiles et s'installe pour dormir. Le moment venu, le papillon pond délicatement ses œufs. Alors, il va pondre ses œufs. On dirait de minuscules perles. Quelques jours plus tard, une petite chenille rayée sort de chaque œuf. Elles sont toutes très, ils ont toutes très très faim. Oui, ils mangent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu connais la suite. Crunch, crunch, crunch. Merci les amis. À la prochaine.